rêve, Millicent. Maman t'aime très fort. Dépêche-toi un peu, Alex. T'as passé la matinée là-dedans. Oui, arrête de monopoliser notre salle de bain. Pardon, mais toutes ces cochonneries, c'est pas moi, c'est Croix-Croix. J'essaie de lui faire prendre un bain, mais il veut pas coopérer. Bon, et ben si c'est comme ça, la seule chose à faire, c'est de joindre nos forces et de terminer la mission. Désolé, Croix-Croix, mais on en a calmé des plus forts que toi. Waouh, génial! C'est pas le moment idéal pour avoir des visiteurs. Mesdemoiselles, nous sommes là parce qu'il y a des plaintes pour tapage. Pourriez-vous nous expliquer, je vous prie? Du tapage? Quel tapage? On n'a rien entendu du tout. Vous êtes certaine? Des voisins prétendent avoir clairement entendu courir, hurler et aussi grogner. Ah non, non, mais on n'a rien entendu. Non, mais rassurez-vous, si ça arrivait, on vous appellerait. Au revoir. Oh, qu'est-ce que... Mais c'était un cochon. Ah, un cochon. Non, ne soyez pas ridicule, c'est un chien exotique sans poil. Oui, et ce qui est parfaitement autorisé dans le règlement de Maliou. Rappelez-vous, nous vous avons toujours à l'œil. Oh. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est vrai, je viens juste de récupérer Groin-Groin, je vais pas l'abandonner à nouveau. T'inquiète pas, on trouvera une solution. Mais bien sûr. Même si Groin-Groin est le pire colocataire qui existe, il est hors de question que quelqu'un te le reprenne. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Groin-Groin. Je tiens à m'excuser pour ce whooping un peu brusque, mais c'était vraiment nécessaire. Nous venons d'apprendre que plusieurs chiens de concours très médaillés ont mystérieusement disparu partout dans le monde. Des chiens de concours? C'est pas vrai! Ouais. Il s'agit de Millicent, le champion des chiens chinois à Crète. Sparky, un Jack Russell Terrier ultra médaillé. Et Boba, un Beagle très primé. J'arrive pas à le croire! Ces chiens font partie de ceux que je préfère, c'est incroyable! Ce sont de vraies célébrités canines! Qu'y a de si mystérieux dans leur disparition, Jerry? Non seulement personne n'a pu apercevoir celui qui les a enlevés, mais celui qui les a kidnappés n'a pas laissé le moindre indice derrière lui. Donc c'est le moment d'envoyer les pros sur le terrain. Évidemment. Et pour vous aider à résoudre ce mystère, je vais vous donner la tyrolienne va chercher le chien, hein? Ou alors ça s'appelle le capteur hyperactif intrusif d'écoute numérique de surveillance. La puce espionne Whoopi, le filet à chien Speedy rétracto électrochoc avec fonction coupe-circuit intégrée. Et le dernier gadget, mais non le moindre, un spray de mousse volumatrice ultra rapide. Et cette fois, parfum brise océan. Oh, je suis sûr que vous allez adorer. Déjà tous ces gadgets super canins, Jerry. Je savais que vous les trouveriez amusants. En route pour votre mission. Vous partez sur un gratte-ciel de New York, d'où vous pourrez surveiller un carlin très primé qui s'appelle, écoutez bien, Monsieur Billy Dog. Compte tenu de sa popularité, le groupe pense qu'il risque d'être la prochaine victime. Cette mission a l'air d'être fabuleuse, Jerry. Mais qu'est-ce que je vais faire de Groin-Groin pendant tout ce temps? Je veillerai à ce qu'il rentre sur le campus en toute sécurité. Au revoir, mes espionnes, et soyez la fierté de notre agence. L'appartement est vraiment fabuleux. À côté, le nôtre ressemble à un vieil abri de jardin délabré. Attention, j'ai entendu la porte se fermer. Le maître de Monsieur Billy Dog est parti travailler. Comment va le petit Carlin, Alex? Il a l'air d'aller très bien, Sam. Oh, il est trop mignon quand on le voit en personne. Enfin, je veux dire en chien. Qui voudrait faire du mal à ce petit choubidoubidou? Je dois reconnaître qu'il est vraiment très très mignon. Oh, hé! Je viens de perdre Monsieur Billy Dog de vue. Oh, une seconde. J'entends une bagarre. On ferait mieux d'aller voir ce qui se passe. Bonne idée, mais comment? On est coincé au milliardième étage. Oh, grâce à la tyrolienne va chercher, bien sûr. Très joli tir. C'est parti, les Spice. De quel côté il est allé? Par là.
pas prendre le métro quand même? Ah bah si. Je m'en charge, Sam. Le toutou a besoin de nous. Ouais, c'est vraiment pas le genre de bruit qu'on aime entendre. Bien négocié notre atterrissage, mais on a complètement raté le sauvetage. Monsieur Billy Dog a été kidnappé et on n'a aucun indice. Ce câble déchiqueté ne nous dit pas qui est responsable, mais par contre, ça prouve que notre ennemi a du mordant. Les filles, regardez. Qu'est-ce qui pourrait griffer un mur de pierre aussi solide? Ça, j'en sais rien. Mais celui qui a fait ça a des griffes terriblement puissantes. Donc, on recherche un ennemi agressif avec des griffes puissantes et peut-être des crocs acérés. Ça ressemble beaucoup à mon dieu. J'aimerais que ce soit aussi simple. On va rapporter ces indices à Jerry et on retourne en cours. Waouh! Ce capteur de surveillance longue portée est très efficace. Je peux repérer des garçons à 3 universités d'ici. Assis, Gringoin, assis. Ah, c'est bien! Maintenant, debout. Parfait, Gringoin. Et maintenant, roulade. Alex, je peux savoir ce que tu fais avec Gringoin? Bah, j'essaie de lui apprendre à se comporter comme un chien, au cas où les doyens viendraient chez nous. C'est Jerry. Bonjour, mademoiselle. J'ai les résultats du labo sur les indices que vous m'avez apportés. Et je dois admettre qu'ils sont très particuliers. Particuliers? Oui, il semble indiquer que le ravisseur de Monsieur Billy Dog ne soit ni humain ni animal. Après avoir parcouru diverses banques de données, le groupe a été incapable de trouver quoi que ce soit correspondant aux marques de griffes sur le mur ou de morsures sur le câble. D'accord. Donc tout ça réduit notre liste de méchants potentiels à 0. Et vous comptez nous envoyer où, maintenant? Ah, c'est la question que j'attendais. Vous partez sous couverture au plus célèbre concours canin du monde, le Doggy Show de West Hollywood qui commence aujourd'hui. Vous plaisantez, Jerry? Je suis fan de ce Doggy Show depuis des années. J'ai vraiment hâte d'y être. Le seul problème avec cette idée, Jerry, c'est qu'on n'a pas de chien à inscrire au concours. Mais pourquoi pas, Gringoin? C'est vrai, vous savez que je lui ai déjà appris à s'asseoir, se lever et faire des roulades. Bon, ça vaut la peine d'essayer. Alors c'est parfait. Vous trois et Gringoin devrez partir pour ce Doggy Show sans perdre un instant. T'as entendu ça, Gringoin? Tu vas devenir un chien! Si on doit se rendre à un concours canin, il nous faut la tenue qui va avec. Génial! Allez, en route, les filles! Je suis convaincue. Ah, c'est moi ou c'est la mission la plus fantastique qu'on ait eu à mener? C'est pas la plus fantastique, tu veux dire la plus bizarre de toutes? Je suis d'accord avec toi. Bon, allez, venez, on va s'inscrire. Nom et race, je vous prie. Il s'appelle Gringoin. C'est un chien nu exotique. Que? Certes, certes. Hélas, nous avons la place pour inscrire Gringoin cette année à cause de tous ces chiens de concours qui ont été enlevés. Je vous demande votre attention, chers candidats. Tenez vos chiens prêts pour le parcours d'obstacles. C'est le moment de notre concours d'agility. Le moment est venu. Vite, vite, Gringoin. Le premier chien à se présenter, lui, qui est un superbe berger australien. Et le prochain à se présenter est... Gringoin, le chien nu exotique. Vas-y, Gringoin, fonce! Waouh! Pour quelqu'un qui a de si petites pattes, ce cochon, enfin, je vais dire ce chien, est un vrai champion. Oui, c'est certain. T'as été génial, mon grand! Et Gringoin vient de terminer dans le temps impressionnant de 10 secondes! Le dernier candidat est Ravageur. Et bon, c'est bizarre, je ne vois pas du tout de... Quelle race c'est ce chien? Oh!
une chose est certaine, c'est pas un molosse ordinaire. Oh, wow, 5 secondes, c'est un tout nouveau record. Toutes mes félicitations. Mon toutou adoré, tu as fait un très bon travail. C'est mon bébé à moi. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est suivre notre plan et nous remporterons ce concours. Il n'y a aucun doute. D'accord. Le propriétaire de Ravageur est franchement louche ou c'est juste moi? On va le suivre. Tu es un bon chien, Ravageur. Aucun autre de ces chiens ne peut rivaliser avec ton talent. Tu le sais, ça, hein? Tu es le plus grand, le plus intelligent, le plus beau chien qui existe dans le monde entier. Et rien ne pourra nous empêcher de remporter cette compétition à présent. Rien! Sois bien sage, d'accord? Papa va revenir. C'est curieux, vous avez vu ça? Il est aussi froid et immobile qu'une statue. Et depuis quand les chiens ont des griffes et des crocs comme ça? Et je me demande pourquoi le maître de Ravageur a ce côté de Jekyll et Mr. Hyde. J'ai une très mauvaise intuition. Une intuition qui me dit que peut-être on a trouvé notre méchant. On doit aller voir ça de plus près. Si jamais il vient... Au pire, si jamais Ravageur décide de se réveiller de son drôle de sommeil. Par on, je veux parler de Whoopi, la puce espionne que le Whoop a inventée. Ravageur n'est pas un chien, c'est un robot. C'est un tricheur! Tu vois, Groingroin, ça veut dire que c'est pas un chien aussi doué que toi. Je crois que ça explique ce que Jerry a dit tout à l'heure. Le ravisseur n'est ni humain, ni animal. On doit coincer ce robot kidnappeur le plus vite possible. Pas si vite, les filles! Personne ne pose les mains sur Ravageur à part son merveilleux maître, Lance Ridgeback. On sait exactement ce que signifiaient ces yeux rouges. Une attaque au rayon laser. En fait, c'est une queue lasso bionique. Une des spécialités de Ravageur. Et bien que j'apprécie votre esprit de compétition, mesdemoiselles, ça ne suffira pas à m'empêcher de gagner. Qu'est-ce que vous allez faire de nous? Je vais vous éliminer de mon horizon, évidemment! Après avoir participé à 500 concours canins avec toutes les races du Affenpinscher au Yorkshire et n'en avoir gagné aucun, je suis déterminé à avoir mon heure de gloire. Grâce à mon petit Ravageounet qui est ici et qui était assez gentil pour séquestrer les meilleurs candidats du concours pour nous assurer la victoire. Très bonne idée, Lance, si ce n'est que gagner n'est pas vraiment gagner quand on triche. Mais ce n'est qu'un petit détail technique. Lorsque j'aurai ce trophée en main, je serai enfin au sommet de l'univers canin. Suis ton papounet, mon chéri. Ok, c'est pas croyable, cette cage rime avec écrabouillage. Oh oui, t'as raison. Il faut qu'on trouve une façon de sortir de là et vite. Si on se servait de la mousse volumatrice ultra rapide. Sans vouloir te vexer, Clover, c'est pas le moment idéal pour penser à tes super produits capillaires. Croyez-moi, c'est exactement ce dont on a besoin pour sortir d'ici. Oui! Oh, bien joué, Clover! Ouais! On a montré à cette affreuse cage qui était les plus fortes. Même si on a dû utiliser le gadget le plus puant de la Terre pour y parvenir. Oh, qu'est-ce que c'est que cette horrible odeur? On dirait que Jerry nous a donné parfum chien mouillé au lieu de brise océane. Et je suis certaine que c'était pas un accident. C'est vraiment pas drôle, Jerry. On réglera ça avec lui plus tard. Pour l'instant, on doit arrêter Lens et Ravageur. Venez. Groingroin, t'es où? Allez, viens, mon petit. Maintenant, tournons-nous vers notre scène. C'est là que nous allons conclure pour la partie artistique de la compétition. Applaudissez bien fort l'incomparable Ravageur, le vainqueur du grand concours canin de Voice Hollywood de cette année.
Vous voyez, cher public, ce que l'on peut faire avec un travail acharné et de l'abnégation? Et maintenant, la cérémonie des récompenses. Ravageur, voulez-vous vous approcher, monter sur le podium? Ils sont là! Non! Si seulement on avait un moyen d'immobiliser ce molosse, on pourrait s'occuper de l'âne sans problème! J'ai une idée! Tout ce qu'on doit faire, c'est donner un bain à Groingroing. Mais Groingroing déteste les bains. Tu te souviens? Oui, je suis désolée, mon Groingroing. Cher public, Ravageur est un peu fatigué, hein? Si on pouvait juste récupérer ce trophée tout de suite, on pourrait rentrer tranquillement chez nous, comme ça. On dirait que Ravageur a fini par montrer à tout le monde pourquoi il était de mauvais poil. Ah, vous! Je croyais vous avoir dit de ne pas vous approcher de mon chien! Doudou, mon grand, calme-toi, Ravajounet, mais mon bébé d'amour, c'est moi, c'est papa, t'énerve pas. Venez les spies! Au secours, venez m'aider! Je ne pourrais pas tenir plus longtemps! Accrochez-vous, Lance! J'arrive tout de suite! Et je vous tiens! Je crois qu'il nous a remarqués. Je dirais que oui, Alex. Et je dirais aussi... Attention! Ces chiens ont un sérieux problème de comportement. Salut, mon petit Lancy Nounet. Je suis ton chien. Est-ce que le spectacle te plaît? Mais tu parles? J'ai pas programmé ça dans ton disque dur, moi. Je me suis auto-développé à partir de tes programmations et aujourd'hui, je suis imbattable. Waouh, bébé Chidoué! Mais ça ne devait pas se passer comme ça, tout ce que je voulais, c'était gagner un prix! Quelque chose me dit que ça ne risque plus d'arriver, maintenant. Je suppose que vous n'avez pas mis de bouton d'arrêt sur cette chose! Non! La seule façon de l'arrêter, c'est de réussir à couper ses circuits. Ça n'arrivera jamais, Lance. N'en sois pas aussi sûr, Ravageur. Je crois que c'est l'heure d'aller au chenil. Hey, reste tranquille une seconde, tu veux? Regarde où tu mets ton filet, ça pique. Désolé. Ne t'avise surtout pas de vouloir croquer mon Groingroing. Partagez vos félicitations avec Groingroing. Passez vite! Vous et votre robot kidnappeur allez avoir à répondre de vos actes criminels. Comme vous voudrez, mais je vous en prie, empêchez cet affreux chien de m'approcher. On dirait que le meilleur ami de l'homme est devenu le pire ennemi de Lance. De West Hollywood est Monsieur Billy Dog. Oui, on a réussi. Bravo, Monsieur Billy Dog. Vous voilà, mesdemoiselles. Pouvez-vous nous expliquer ceci? On pourrait savoir de quoi il s'agit?
Il s'agit de la preuve irréfutable que vous cachez un cochon à Maliyu. Ces empreintes de sabot ont été découvertes dans l'allée de la côte ouest. Alors ça, c'est ridicule. Il est évident que ce sont celles d'un chien. Va chercher, mon grand. Hein? Espionne 1, les doyens 0.